Une autre foire qui met en exergue les produits locaux, la foire nationale du sésame, dont la deuxième édition s'est tenue à Coupéla samedi et dimanche. Elle a connu la participation de plus d'une centaine de producteurs, commerçants et transformateurs. Tout ce beau monde a pu discuter d'une meilleure organisation de cette filière afin de valoriser la spéculation sésame. Reportage Alassane Kendrebego, Clarisse Nikema, RTB de Fada. État des lieux du sésame au Burkina, enjeux et perspectives. C'est sous ce thème que les acteurs de la filière du sésame se sont réunis à Coupéla pour appréhender les problèmes qui filière et trouver des solutions pour un sésame labellisé au Burkina. Les défis à relever, c'est comment améliorer la qualité de notre sésame pour qu'il soit plus compétitif au plan international. Le thème était vraiment au cœur de nos problèmes, notamment la non-application de la loi 50, la non-application du cahier des charges qui nous amène à des problèmes structurels et structurants. Des préoccupations que les autorités promettent de prendre en compte au regard de l'apport de ce secteur d'activité. Des actions sont envisagées pour promouvoir cette filière qui est du reste largement prise en compte dans le plan national de développement économique et social. Donc l'accompagnement de l'État est garanti. Au cours de cette cérémonie, les meilleurs maillons de chaque interprofession ont été récompensés. Le cadeau qu'ils m'ont donné là, ça augmente mon courage, le courage de travailler. Et inviter d'autres personnes à venir dans la transformation du sésame. Selon les chiffres de l'interprofession du sésame, de 2005 à 2015, la production est passée de 8 762 tonnes à plus de 171 000 tonnes en 2015, avec une valeur estimée à plus de 100 milliards de francs CFA, des chiffres qui augurent un bel avenir pour cette